Amener donc en RCA trois tracteurs de 100 chevaux sont capables de faire minimum 500 hectares par an de manioc. Alors, si dans chaque hectare de manioc, on y va là. Donc, nous avons 500 hectares de manioc. Si dans chaque hectare, on met 10 000 plantes, par hectare, et que chaque plante donne 300 francs CFA, hein? On met les boutures améliorées avec un peu un coup de d'engrais, on arrive facilement à 300 francs CFA par plant. Donc ça vous fait 3 millions par hectare. 3 millions par hectare, vous multipliez par 500 hectares, ça vous donne 1 milliard 500 millions. Voilà. 1 milliard 500 millions. Est en partie à partir de 100 000 euros. On arrive à 1 500 000. Ça, c'est la première année. Ou bien deuxième année. Après, maintenant, la deuxième année, on décide de doubler le nombre de tracteurs. Donc, on passe à 6 tracteurs pour faire 1 000 hectares minimum. Ça, c'est le minimum. Pour moi, 6 hectares de 100 chevaux, chaque hectare peut vous faire minimum entre 200 et 300 hectares par an. Surtout avec une culture du manioc, on peut la faire, on peut l'étaler hein, pendant c'est toute l'étendue de l'année. Alors, lorsque vous avez donc maintenant 1 000 hectares, vous le multipliez par 300 francs CFA la plante. Donc 3 millions par hectare. Et vous êtes à 3 milliards. Vous divisez par 100 personnes au départ. Vous voyez que nous sommes quasiment à 30 millions. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Étant parti avec eux, que 1 000 euros en 2 ans. Et chacun maintenant peut individuellement acheter son tracteur. Hein? Un tracteur de 100 chevaux avec livraison au pays, à tout casser autour de 17 à 18 000 euros. Et arriver sur place, produire soi-même maintenant, devenir son propre, devenir un agro-entrepreneur et produire pour lui-même aussi 100 hectares. Et là, la machine est mise en place. Très peu de Centrafricains ou bien des Camerounais qui vivent en Europe ou bien dans les pays développés, s'ils peuvent produire 100 hectares
de manioc, ma foi, très peu resteront encore ici en Europe. Parce que 100 hectares, vous multipliez par 3 millions d'hectares, faites le calcul chez vous, ils sont extrêmement très peu qui touchent ce montant d'argent. Ne me demandez pas pourquoi est-ce que, qu'est-ce que je fais encore ici. Parce que moi, le processus du retour au bercail a déjà commencé. Car c'est là-bas la richesse. Et 100 hectares en RCA, dans un pays qui a 17 millions